Salam wala, bon anniversaire. Merci maman. 35 ans. Oui. Et Kembangwe, pour Naya. Oui, ils ont Kembe Mbangu bien sûr, mais quand même Benzate. Par rapport à Moussala, et Namoni et Kembangu te, mais et Kembangu. Alors leur bandaki selon vous la musique, vous avez pas na posa penza ezalandreni. Tant que bandia. Comme la bandaki na eba kiska na zo kende te, le ba mutunyoso. Disons, la jeune fille est très difficile en tant que danseuse. Nazaraki est pas à maman Pongolov, na travaillé qui na yé. Et puis après, un petit passage est pas à maman Abeti. Et si manabino na lina na yemba. Mais à l'époque, Nazaraki ni producteur, ni manager, ni encadreur. Ni compositeur, c'est là qui est difficile, c'est là qu'on travaille avec Aboliko ou Likolo. Et vraiment, c'est là qu'on s'est que moi, on s'est retrouvé, on s'est appelé ça bien assis, c'est là qu'il était. Ne soit qu'on y ait un peu de découragé, non, c'est pas bon, c'est pas bien fait. On doit vous guider, vous diriger, c'est là qu'il était. Et quelques mois après, on a eu une décision en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, qu'on a. Et ça qui est aussi facile, c'est parce qu'on n'a pas quitté. Babi, ah non, toi, on ne te connaît pas. On ne connaît pas Mbolo Babeti. Toi, non, on ne connaît pas. C'est quoi qu'on a là qui s'est pour ça quelque chose, dans ça qu'on est obligé. Il y a un yemba mouké. Et puis, on a bien pensé à ma casse. Et on a découvert à partir de là. Qui a cru en toi? François Konya, l'ivoirien François Konya, a été producteur à Guimi à Sainte. Il y a des motos, après ça, il y a une chance, il y a un disco stock. Bamonde, Babimisa qui est Amina. Amina. Nous avons dit Amina, serre-moi la main. Même cette mamie a mal au cœur. La petite chala. La petite chala. Et puis, travailler avec Suzy Kaseya, mais vraiment. Le succès et bandika kawana bi non ko le na zui succès allez je dois foncer na mi pesa Jesus makasi et ti malé na banda ko se confirmer. Alors tchala mona 35 ans de carrière et na bandeko ba ninga oyo ba ibakio ba zalaki na yo ba saki na pe musala ba pesa ina makansi na bango nani ba ninga to tangira bandeko bele micro et tambolaki ah tuna bomwa mituna tchala mona boebi Olinga Kaye, 35 ans, le binini. En tout cas, il y a eu un peu de temps. Ce qu'on va proposer, ce sont les témoignages de ces hommes et femmes que vous tous allez reconnaître qui ont dit quelque chose sur Tchalamwana en rapport avec ces 35 ans de carrière. Sous le haut patronage du ministère de la Culture et Arts, Jeunesse, Sport et Loisirs et du ministère du Genre, Famille et Enfants, sera célébré ce 31 août 2013 à 20h30 autour de la piscine du Grand Hôtel Kinshasa. La grande soirée événement marquant les 35 ans de carrière de la reine du Moutouassi, la Mamou nationale, Tchalamwana. Pour la première fois en RDC, la célébration de 35 ans de carrière musicale catégorie féminine. Un événement fêté haut en couleur avec des invités stars de la RDC. Werrason, Joss Dienna, Bill Clinton, Lamio Lamio et son ballet. Internationaux tels que Roga Roga du Congo Brazzaville. Hani El Omari du Liban. Également l'artiste international Lokua Kanza. 35 ans de carrière, ça se fête. Droit d'entrée, $50. Venons tous encourager et danser avec la Mamou nationale. Bon anniversaire. Maman national, Tchalamwana, moi c'est Kitoko. 35 ans, il faut que féliciter. Que féliciter dans mon salaire à Sali. Père, je continue au sala. Tchalamwana a dit parmi les artistes, c'est ça, le lendo ya musique ya Congo. On m'a dit, tant on a lobby à wa. Tant que tu bima toke na nti, tant que tu vas bima toke na bija, Tchalamwana le kaki na bija. La carrière, ça a un succès ma casse avant qu'il n'ait Paris. Et puis tu te souviens bien. Bon alors, vous avez
a kende ki kuna kende ki na kopia de kare de kalite ha kaka ni misiki ya mboka neza na makila na ina mwa sara kena mwa sukse kuna ipa ya bazo ipa ya kopia de kare donc maman tsa la mwana soki lolo azo fete 35 ans elle est à féliciter longonya maman parce que ti lolo tsa la zali présente sala na biso ya ya musique sala kendaka ba voyage sala ba invita ka ye tukuta na tamso ba fete ba mariage tout ça chala azali artiste monene ya mboka na biso fete na ye ezali fete ya biso nyonso tuka kopesa na kasa soko nzote kolingisa na kozala na ye pona kosombele mwa fleur na kanisi carrière ne zanan musika parce que aligné musala na ye tikala chala tikala mama omoni mboko mubimba babenga kayo mama chala responsabilité on ya ki mama ezakilo ko changer mingi te bon personnellement na ye bilo mabete zale ki na mapesa na resume makasi c'est peine à tungisi yo c'est là au kendaki même Sénégal mais il n'y a la tabazé riche yo la kanga yango la manzi na lubino nyons elle a révolutionné le folklore luba à travers le pays à travers le continent et en dehors du continent aussi c'est comme qui dirait que la valeur n'attend jamais le nombre d'années quoi. Et elle, quand elle avait compris qu'elle avait cette opportunité là, parce qu'au départ sa carrière c'était la carrière d'une danseuse quoi, et quand elle a su aussi travailler la voix et mélanger avec des chansons traditionnelles Luba, ce folklore là nous a rendu en elle la grandeur de l'artiste. Elle a commencé tout d'abord à se faire parler d'elle en dehors du pays. Toute l'Afrique a dansé et toute l'Afrique aussi connaît Mama Chalamwana. 35 ans, c'est vraiment beaucoup pour une jeune femme. 35 ans de carrière et jour pour jour, elle ne décroche pas. Moi, j'ai dit félicitations et bravo, quoi. Et bravo. Donc, je lui souhaite seulement un joyeux anniversaire. Et que si la vie a été toujours dure, cette vie continuera toujours à être dure. Mais il faut être forte. Être forte, quoi. Encore une fois, Mamou National, joyeux anniversaire. Ouais, Mamou National, je suis le number one. Je suis maman qui a été embêté. Je suis un connaisseur qui a été dit que je suis un salaire, ya kuyemba. Maman Chalamwana, maman Makasi, maman Lukumu, Mamou National. Je suis un peu que 35 ans de carrière musicale pour Maman Chalamwana, ce n'est pas peu de choses. Tout ce qui est un Congolais, c'est un un plaisir. Tu es trop jeune, tu es trop mingi. Tu es trop jeune. Mais les autres,
Alors, je vous remercie parce que c'est vrai que j'ai pas toujours l'occasion de parler de la MAMO nationale qu'on aime, qui nous a fait rêver, qui nous a fait danser. Moi, toute petite, j'ai dansé au son du Mutuashi. Et donc, je voudrais à cette occasion dire d'abord félicitations à Chalamwana, lui dire qu'on est de tout cœur avec elle, qu'on est fier d'elle, parce qu'elle est une source d'inspiration pour les artistes en herbe, pour nous. Elle nous a tous marqués d'une manière ou d'une autre. Et donc je voudrais lui dire félicitations, lui souhaiter longue vie, une bonne santé, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et lui demander, puisque je suis une femme comme elle, qu'il faut qu'elle continue d'avoir ce rôle de fédérer tout le monde, surtout les jeunes artistes féminines, nous, celles qui viennent après, c'est important, et qu'on est avec elle, on lui souhaite beaucoup de bonheur, que notre Dieu la garde, la bénisse, maman nationale, félicitations. Alors je te promets que je serai là pour tes 35 ans de carrière, parce que ça, franchement, ça se fête. J'espère pouvoir faire autant d'années que toi dans la musique. Et je te souhaite beaucoup de bonheur. Bonne fête à tous. Bonne fête. Chalamwana, maman. Vous savez, Henri Noël, je dois vous dire très sincèrement que pour moi, cette dame est une grande fierté. Non seulement pour sa carrière, pour la mienne aussi. Parce qu'à travers elle, c'est-à-dire, il y a une sorte de rétrospective. À travers elle, je me retrouve, je me revois. Hein, et me renvoie une image positive de ce que c'est qu'un don, de ce que c'est qu'un talent dans ce domaine. Vous savez, j'ai toujours dit que ce qui détermine la valeur d'un artiste, c'est la durée. Vous savez, les artistes qui durent sont très rares. Et c'est un élément sur lequel on doit s'attarder. C'est une fierté aussi, parce que elle a représenté pendant toute sa carrière internationale ce pays. Elle a bravé toutes sortes d'impondérables dans ce domaine, parce que avoir réussi à incarner une musique du terroir, c'est-à-dire sortir un peu de l'ordinaire, parce que tout le monde fait de la rumba, tout le monde a bâti, la plupart des artistes de notre pays ont bâti leur carrière sur la rumba, la musique de variété congolaise. Mais elle est sortie de ce carcan et je ne voudrais pas du moins prendre sa place, parce que c'est elle qui est à l'honneur. Et comme vous le dites si bien, je suis la personne la mieux placée. Ça, vous n'avez pas été à côté pour parler de cette longue carrière et pour laquelle ma contribution, le seul sait, a été très grande. On a démarré ensemble le Mutuashi par rapport à l'environnement où on se situait, où on se trouvait. Et c'était pas gagné, mais il a fallu braver ces incertitudes. Et je me rappelle, je disais, toi tu chantes, laisse-moi faire la musique. Je sais comment, par cette façon de travailler cette musique, les gens seront domptés. Et c'est ce qui a été le cas. Encore une fois, je jette des fleurs à cette dame qui a une farouche détermination. Quand elle entreprend quelque chose, et c'est ce qui a été à la base de sa réussite. C'est-à-dire, elle a une foi immense en ses potentialités. C'est-à-dire que lorsqu'il était question de je mette quelques doutes, elle m'a toujours convaincu qu'on pouvait aller de l'avant. Et aujourd'hui, on est en train de récolter les fruits de cette longue carrière, et qui est rarissime. 35 ans pour une dame dans ce pays,
je ne crois pas qui est de concurrente, ne serait-ce que par rapport à la durée. Donc, encore une fois, je ne voudrais pas inverser les rôles. Hein. C'est elle qui est à l'honneur. Et encore une fois, je lui jette les fleurs telles qu'il se doit. Une carrière, c'est comme la vie d'un être humain. Les péripéties se conçoivent en termes de jeunesse, devenir adulte, et puis par la suite être mature, mûr. Je crois que le seul conseil que je pourrais, c'est-à-dire lorsque je fais état de ces péripéties, c'est tout simplement pour vous dire qu'il est suffisamment outillé pour braver toutes les circonstances qui pourraient se présenter devant elle. Mais nul n'est parfait, donc ça ne m'empêche pas non plus de lui prodiguer quelques conseils, c'est-à-dire conseils dans le sens de persévérer, parce qu'il a toujours été sur une bonne voie, qu'elle persévère. Et moi je serai toujours, même dans l'ombre, toujours derrière. Voilà. Je serai bel et bien dans l'espace où les événements vont se dérouler. Je serai là. Je voudrais d'abord commencer par souhaiter mes voeux à la chanteuse et artiste Tchalamwana, qui est pour nous une icône de la musique congolaise moderne. Je dis bien moderne, quoique il faille nuancer un petit peu, parce que elle s'est caractérisée par un travail en profondeur, un travail de recherche sur les traditions musicales de Grand Kassai, en fait les deux Kassai, c'est-à-dire Kassai oriental et Kassai occidental, parce que c'est elle qui, aujourd'hui, peut être considérée comme la chanteuse qui a su revaloriser le folklore de ces deux régions de notre pays. Et à travers elle, c'est tout un processus de revitalisation de la culture congolaise qu'elle a opéré à travers son travail. Et je voudrais saluer cet extraordinaire travail, cet effort de ressourcement qu'elle a offert, qui est aujourd'hui peut être utilisé comme modèle au sein de nos artistes congolais. Alors, je ne peux pas parler de sa carrière, parce qu'elle a une carrière assez longue, 35 ans de carrière professionnelle sur scène. Je crois que par ce temps qui court, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand on imagine que... dans le domaine qui est le sien, elle est pour moi, je crois, l'artiste féminine qui est restée pendant tant d'années présente sur scène. Elle a battu tous les records. Donc elle a même dépassé ses aînés comme Lucie Yenga, Betty Masikini, qui n'ont pas pu dépasser 35 ans de carrière. Donc coup de chapeau à Tchalamwana. Mais moi je l'ai connue... pas à ses débuts, disons quelques années après ses débuts, parce que je peux m'estimer être, si vous voulez, le journaliste ou le chroniqueur qui a accompagné à peu près les trois quarts de sa carrière. À une époque où nous n'avions qu'une seule télévision, c'était la RTNC, OZRT, aujourd'hui RTNC, et là j'ai découvert une chanteuse tenace, obstinée, très passionnée pour le travail qu'elle fait, et chargée de beaucoup de talent. Beaucoup de talent parce que non seulement elle a une voix qui porte, mais elle a surtout une voix qui porte la culture de son pays, qu'elle a su valoriser tant au plan national qu'international. Alors elle a mené sa carrière sur un double plan. Au plan national, elle a commencé ici, comme tout le monde vous le savez, auprès de la Betty, humblement danseuse. Et après, elle a fait un crochet en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, où elle a développé vraiment, c'est là qu'elle s'est révélée comme une artiste internationale, parce que beaucoup de Congolais l'ont découverte à partir de son escale de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où elle a rencontré celui qui a été, si vous voulez, le catalyseur de sa carrière, c'est l'artiste arrangeur Suzy Kaseya, qui lui aussi, se retrouvant de ce côté-là en Afrique de l'Ouest, a découvert en elle une artiste de grande qualité et de talent. Et voilà comment, de la Côte d'Ivoire, elle va atterrir à Paris. Et c'est Paris qui va lui offrir les meilleures conditions pour l'épanouissement de sa carrière.
Et moi, de temps en temps, j'allais en France, je l'ai rencontré, j'ai même réalisé une bonne partie de ses clips. Je peux même dire que les trois quarts de ses clips, c'est moi qui les ai réalisés à cette époque-là. Et on a eu une très belle complicité entre une artiste de chez nous qui avait décidé de développer sa carrière à l'extérieur, mais en n'oubliant jamais son pays. Parce que tout ce qu'elle faisait à l'époque, c'était pour renvoyer au pays. C'est ce qui fait que finalement, elle était aussi mieux connue au pays qu'à l'extérieur, parce que elle avait choisi un créneau où beaucoup d'artistes n'osaient pas s'engager, parce que la tradition, il faut vous dire, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Et pour certains, bien sûr, ça, la tradition est quelque chose de démodé, mais elle y a cru, elle lui a donné une partie de sa vie, et voilà que ça paye aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une artiste qui est auréolée de gloire, à la fois ici et à l'extérieur. Elle a glané beaucoup de distinctions. Je ne peux qu'applaudir cette glorieuse et longue carrière. 35 ans pour une artiste congolaise, eh bien, ça vaut le coup. Mamou National, continuez, continuez. Ne vous arrêtez jamais en chemin, parce que je pense que le public a encore besoin d'elle. C'est une grande artiste. Elle sait où elle va. Elle sait avec qui travailler. Elle sait comment s'entourer. Et je pense qu'en cette matière, elle seule sait où il ne faut pas mettre le pied et où il faut mettre le pied. Donc, bonne carrière et surtout, bon succès. Moi, je suis très fier de la carrière de Tchala Moana. Affectivement, professionnellement, patriotiquement, c'est une grande dame. Moi, j'ai connu Mama Tchala en Europe il y a une vingtaine d'années, lorsque elle défendait valablement notre culture, Louba d'abord, et congolaise ensuite, zaïroise de l'époque. Une femme digne, une femme professionnelle, très professionnelle, très affective sur le plan familial. J'allais lui rendre visite, je me rappelle encore à l'époque, Villa Moderne dans le 14e arrondissement à Paris. Elle me faisait les foufous à la maison. Je raccompagnais chez Sonu Disque à l'époque, rue Fondari. Et j'ai eu la chance de la voir travailler. J'ai réalisé des interviews avec elle. J'ai aussi, même, je l'ai accompagné dans quelques clips, dont le fameux Les hommes sont des menteurs, tourné chez moi à la maison, à l'époque avec mon ami Jean-Pierre Sarr. Non, j'ai beaucoup d'admiration pour Mama Tchala, et au retour au pays, son retour au pays, j'en ai un peu contribué. Personnellement, à l'époque, bienvenue Mama, il faut repartir. Elle est revenue avec Musée, et même son retour en Europe, le comeback de Tchala Moana avec l'album Malou, j'ai un peu contribué aussi. Donc aujourd'hui, quand je la vois chanter pour le patriotisme, chanter pour la culture congolaise, je suis très fier. Et je lui souhaite vraiment bien des bonnes choses. Bon anniversaire d'abord. Qu'elle continue à défendre cette culture congolaise, cette culture qui a de racines. Voilà. Et puis je l'aime beaucoup, Tchala Moana. Bon, Tchala Moana, Mamou National. Nous sommes tous les gens qui ont été en train Mme Elisabeth, pour l'angai, Estebi Pendou, Azali Moko, Nakatina Bamama. Bamamoyo, si on a tiré beaucoup d'attention, on a l'expo n'a coupé ça. Respect, ma casse la maman. Azali maman oyo a tombé le coup ma bamama. Salamana azali maman oyo a bandi musali na bomwana. Carré n'ayons surtout, coco la n'ayons surtout na musala. Maman bandaki, kubina na nenga na yebi, amana kubina epai maman, maman abeti masikini. Que son âme repose en paix. Atiki, comme il n'est pas maman Masikini, à le capitaine Zela na Yemoko. Maman, Bandiko Sala Yemoko, Abandiko Sala Moussala Yemoko, Abandiko Komiko Yema Banze Mona Yemoko, et Longana Baninga Moussousou, Nandenge, maman Zalelo. 35 ans, il y a carrière musicale, il y a maman Tchala Moana, maman Elisabeth,
Ezali Sakati. Ya solo a copie na yango. Azali na yango parce que oyo asali pona ba mama. Atome le kuma ba mama pona koyembela. Et puis koyemba na munoko mboka s'il vous plaît. Chalama na yembi na munoko mboka na bango. Chiluba eza kobina ba partout. Tena ba mindele na poto baza kobina chiluba. Bazo ka munoko wana te azo yemba me mélodie ya nzembo ezope sa batu sai pour batu ba sepela babina. Mamu ayembi na lingala. Mamu ayembi na français. Mamu a sepeli si couche mignon surtout. Ya peuple congolais tina mboboka bapaye. Zembo ya mamu soke beti na fête. Et bien, c'est l'anniversaire, mon côté, même dans le mariage. Donc, fais-toi les ans dans le fait. Donc, fais-toi les ans et bandit dans le fait. Si, bah, comme ça, bah, tu m'as dit, malou, bah, tu m'as dit, mais bah, tu m'as dit, la fête. T'as la maman nationale, parcours naïe, nous sommes à Salim Moussala, Mandengue et Lomaban. Calmez-vous, Kamania. Ce que t'as dit, les Rwanda, les mamoisalaki, et t'as ce qu'on a dit, la commission, et la qu'est-ce que, oui, Zambé a tiré le boko. Na musala mama sai 35 ans ya kari ya mama chala mwana ezali na eza na valeur makasi et eza na ntina change, la mémoire demeure, ainsi l'art de vivre est bien connu à Horizonnet Pressing. La propreté, le soin de vos textiles, c'est notre affaire. Un service de haute qualité vous attend à Horizonnet Pressing. Avec son équipe expérimentée, plus rien à craindre, même pour vos étoffes les plus délicates et les plus précieuses. Robes et costumes de soirée, pagne, satin, coton. Votre pressing est spécialisé dans le nettoyage à sec et le traitement de tout type de textile, une vraie industrie d'entretien de vos vêtements. Horizonnet Pressing est encore plus proche de vous en vous proposant ses diverses prestations comme le nettoyage à domicile, retrait et livraison. Une qualité de travail de nettoyage d'exception sur vos meubles, tapis, moquettes, rideaux, canapés en cuir, tissus et daims. Horizonnet Pressing, entretien et propriété étudiée pour votre satisfaction. Relooking assuré de vos villas, vos immeubles, et ce n'est pas tout. En un clin d'œil, vos couettes, couvre-lits, draps et housses retrouveront leur bel éclat d'antan. Horizonnet Pressing, une expertise véritable répondant à votre bien-être et facilitateur de vos désirs. Une réduction de 10 à 50% vous est offerte sur vos dépôts. Un personnel disponible et efficace à souhait du lundi au samedi. Changez vos habitudes avec Horizonnet Pressing, non loin de chez vous, à des prix imbattables. Dans la commune de la Gombe, numéro 8, avenue Isiro derrière Sozacom, commune de Calamon, numéro 18, boulevard Tendoui, numéro 5, avenue de la Montagne, en face de la clinique Galema Center. Eh oui, avec son label 5 étoiles pour mieux vous servir, Horizonnet Pressing, c'est la solution pour vos couleurs et blancs. Les temps changent, la mémoire demeure, ainsi l'art de vivre est bien connu à Horizonnet Pressing. Shalom, maman. Nyanso Olandiwan. Hey, Bobo Mingai. Avant les rekoka Bobo Mingai, ba autorité na biso minene ya kiltira mboka na biso ba uti koloba. Mais vraiment, en tout cas, naza trop touché. Na kanisa soki témoignage soki ya ndenge nini. Na yebite bozoki bango wapi. Téléphone, car maman. Téléphone. Hey. En tout cas, maman, merci. Na pesi merci na bango, merci na papa wemba na biso. Na pesi merci na papa Manda Chebwa. Na pesi merci na Viana Lutumba. Et Bubu na kubakisa misusu, na kubakisa Bubu misusu. Vraiment, en tout cas, merci na. Okay. Vraiment. Barbara compagnon, Kanama. Compagnon d'élite Nangaï Souzi Kaseya. Ma petite Barbara Kanan, beaucoup m'appelle à 35 ans. Nzambe, yemoko moto ebi avenir na yo. Oza chanteuse munene.
Et merci à Jean-Marie Kassamba. Okay. Vraiment, en tout cas, après un coup de pouce à Paris, à Sova Kingaï, à Ida Kingaï, à Pessie et merci. Et je me rappelle, j'étais avec papa Claude Machal Mbingazo à Paris, mais vraiment il bougeait quoi. Et en tout cas, merci Naye. Et puis aussi merci à papa Claude Machal Mbingazo. On a eu un oiseau salaponangaï, pénépéné nangaï, baïdé Naye, salaboye, boye na boye. Mais vraiment, papa Claude, merci. Ah, et là, je l'aime bien, Azali. Azali, c'est une pointe noire. Abi, Azali, pointe noire. Azali, la pointe noire. À quel mariage il y a François Ndouma. Il y a moi en François Ndouma, je suis venu à Simba Makama Musique, mais Azoya mardi, collègue, 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 vraiment, Azala, Abeta, il y a beaucoup d'angate. Mère Bipo Wani, toi, ça qui dit la maman Wani, vraiment, en tout cas, toi, ça qui dit la boîte de témoignage, je connais toi, ça n'a pas été. Alors, maman Totali, ben invité Ben Simba Loyo. Oui. Nazui Rogaroga, vraiment c'est un grand de Congo Brazzaville. Nazui bandeko nangai nyonso, plus précisément nazo bandana vieux Lutumba nangai, papa Wemba nangai, Suzi Kaseya, na Bengi Jubem Piana, Wera Son Azali, na Bengi Félix Wazekwa, na Bengi Jean Goubal. Na benki dizo evoloko lai lai oto salaka ne zenith na photo vraiment azangate na benki dizo artiste nyoso ya mboka na biso il faut vraiment en tout cas baza la jour mama oyo benki biso na liba Ani El Omar Ali El Omar nga nazo prononcer peut-être mabemba libanais ba bine ba prononcer na invité l'artiste libanais Et en tant qu'artiste, on est à travers l'écran, tout ça. C'est un grand. Na lutte qui m'a cassé, surtout papa Claude Machal, la télé maïque. Il faut artiste ou un peu cannabiso. C'est vrai, peut-être la population est bien pensée pour que vous ayez. Azali grand, il y a un peu cannabango. Balibane nyoso ba yebiye en tout cas naza ko lancer message na balibane nyoso ba ko kozala parce que moko wa bango mwana na bango artiste na bango akozala parmi nous na kati ya fête. Alors maman to ki sango oui no kwa kanza aussi Pascal oui ya zangate ya ko kozanga te vraiment ya na mosi ata moko te mama bana basi bazali tozana barabaka na no naza ko inviter bazali pa malo kuna basi baki mwa mingi. Oui, parce que c'est mingi, maman Biria Ben, na invité. Oui, malheureusement, je suis allé à Kozalate, à Kozana Matadi. Et Bobé. Non, il passe. Il passe à Biria Ben, à Kozalate. Il passe à Nanga, le Binanga, qui a au Kende Matadi, le Kambote, à Kende Moussala, et Toro Pesse Sango. Et puis, ma surprise, c'est ça, il est belé. Et puis, Tozana, oui, à Nigeria. Oyo lisusu toza kulite po ako akoya ambe sa programme a changeaka oya yembaka de na zobosa na chaque fois kombo na suki fleuve suki fleuve ye wana ba toza kulite po ako akoya lisusu alubi na biso ke akoya na awasala biso surprise mais surprise mususu ya munene zali ye to kwa nose yete ye boko mone ka surprise okay to fison ke kende ki misalelo na uti église na 6h du matin sainte marie goretti na Sainte Marie Goretti na kauka. Kwa nini Sainte Marie Goretti? Na kende kuna parce que papa nanga wa mulimo akambaka mesi kuna. Papa Abedim, Abedim. Et yango na lobaki malamu nazana pembeni naye et puis toko kako basambe langai et pourquoi na kende ko kumisa nzambe ko témoigner munene ya nzambe ko kumisa yepo na manso asali pon ai c'est-à-dire pesinga bomoyi. Mingi vraiment le loba na biso te ba musu batika ba kosala ba faire na bango ba mususu baza pembeni ya nzambe ba mususu moto na moto na ndenge naye me ngai nzambe asalinga grace nzambe vraiment garde ngai atiki ngai te ezala komona okeyoke lobi ayimba do vraiment esili mpona ngai omoni paf na rebondir mais en tout cas na pesi nzambe na ngai merci na kumisi ye pona wo nyoso vraiment en tout cas ya sali pona ngai na vie na ngai mobimba musique na ngai et le lobo na za ko tenir parce que c'était une musique où à l'époque vraiment où batu baza ko rejeter yango et le lobo batu nyoso baza ko bina na zo pesa nzambe na ngai merci quoi. Ouais, alors Abedim awa na église pa ya Abedim na kauka na Sainte Marie Goretti. Sainte Marie Goretti. Okay, oui, c'était ce matin à 6h. Donc, l'événement, nous rappelons, le 31 août
Tchala Moana, Mamou National, fête ses 35 ans de carrière musicale. La fête sera totale, sera exclusive avec tous ses invités des marques qui seront là. Mais ce dimanche, à l'issue de la messe, l'abbé Jim nous a livré ses impressions, nous a dit ce qu'il pensait de la carrière de Tchala Moana. 35 ans après, on écoute M. l'abbé Jim. Mama, Salamana et Javet, avant mon fils, la catholique, ou la baptiste, quand elle a été la mission morte, catholique. Donc, tata, la police, mon mari, pendant là, aya ke parangai doko la Philippe na Nathanaël de Bonaï na mort aya ke parangai doko la Daché na Boutou pour la Xé c'est là la Bokaka de Nansan Assemblée pour la Sobadou ma mort moi Assemblée la Gato Assemblée Adam mon fils Assemblée là c'est le mot sous et d'aide pour la Eko la Tata Tamoli Bonaï et Bandaka na Ebi et Kaka na Zéra Ouana. Ce qui a évité à écouter la gagne de Nini, à sa rapporte à Koba. Amen. La voix à Bouna qui était 35e anniversaire, qui a notamment la Mossala Moyé, les Bouvillés, à ce qu'il y a pour qu'il s'entende dans la Christo, qui a paroisse Marie Gorée. Je vais dire ma voix. National en tout, 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 en yo, mais ça n'a pas aussi ma micro dans ma voix. Merci beaucoup. Bande de vos potes à la mission. Et c'est mon macassi. Nini bagali, ça va peut-être le voir que Yembaka, Tobinaka, que tu es une femme de l'Okuta. Disons que nous sommes en Zambé. Pourquoi que nous sommes aussi à tes bandes de vos. Naïe le loco tout mis ensemble. Naïe le loco témoigné mon aîné ensemble. Parce que nous avons sali à miné le bon angaï. Sauf qu'il nous a mis en angaï au nas à l'hibosson à binoté. Parce que la couta la mika katane à l'aîné à l'aîné à vie n'angaï. D'abord, n'a pas l'aîné à passe. N'a pas l'aîné très modeste. Na kunde na ki nangai pona koma moto. Me so ki nsa kasa la kanangai te. Na linga ki petete na la kutu petete ngambo mosusu. Gisika bande kwa na biso ba kenda ba tika biso. Me nzamba di linga mingi bande. Pase ke so ki yete nangai leo na yemba te na kukisa pe 35 ans te ya karier. Mingi babeta na biso miziki. Baya yape kwa mbaleki, bakata naka. Bamusu katika biso, bamusu baba lenda, bamusu somoni, baba ba eshuwe, meza kusala mwoko ya pa. Meso kwa za nanzambe te, kwa za mutubungi nzela. Oyo meselaba uti kwa lubaya solo. So kili kambo na kime laka tujwe pa meselabe. Meselabe na sala nini? Meselabe tala. Et dans la disengo, ton attend la passe, mais c'est la base à toujours. Pour nous faire un conseil, il faut vraiment une appui pour ma bonté, il faut lui faire ça toujours et pas ensemble. Nous avons témoigné ensemble dans la vie. Nous avons vraiment ça, nous avons comme un national. Nous avons mis un mot à chez le ministre Agabato. Nous avons mis un mot merci. Na kumisi ya bande kubosa la pelo kola lako chanza be mboso ya makambo nyoso. Amen. Ewe selada tuka merci beaucoup. Merci na zela mija kolo bate. Chena mwa kuchina bwe. Kutu undo mwole mpipela vya. Maini jikisha. Mundu pro.
China, Walu Chansa Chenda Chinda Ma. Padwan Tamayuda, Munda Mi Musungi Kiwanyi, Madi Musungi. Vers la fin de l'émission, il est temps de donner les rendez-vous de ce dimanche. Judith Moulopoué sera le vendredi 30 août à la foire de Kinshasa. Joyce Diena, qui est aussi parmi les invités de Tchalamwana, va se produire ce dimanche à Turning Point, ex-Sébastien Djili. Kabosé, le 13 septembre, sera à Windhoek, en Namibie. Werrason, mesdames et messieurs, ce dimanche, les phénomènes Werrason se produisent au fleuve Congo Hotel, Jibem Piana à Eridji Lodge, Redi Yamissi à la Kermesse Academia sur Asosa ce dimanche à partir de 20h. Il a comme invité Fafa de Molokai et Jado le Cambodgien. Je rappelle que le programme des obsèques de DG d'RTNT Deogracias Emmanuel Kipolongo Mukambila s'est présente de la manière suivante. Mercredi 28 août, l'éveu du corps de la mort de la Kalinga Lima, explosion de la tépie mortelle à la place Assanel de la commune de Lingwala. Jeudi 29 août, 12h30, départ pour l'enterrement au cimetière de Kinkole. En attendant, le directeur organisé à la résidence familiale sur Mauvena 221, commune de Ngiringiri, signé Nicole Dibambu Kitoko, directeur général ad intérim. Maman Chala. Oui, maman. Le 31 août, c'est Koinda Mabé. Et Koinda. Moutoua Chikaka, toi, c'est Moutoua Chite. Moutoua Chite, bien sûr, Ngaï, Kolo Moutoua Chite, Nakozalawana. Mais bande comme Soussou, Bakoya, Kosepeli Sabani, Bill Clinton, à Rosalana, Yako Pelissamoto, Tozana, Bartiste, Mingyo Bakoya. Ah, surprise, oui. Oui, surprise, on va sur place. Et puis, invité spécial, Nangaï, Papa Wemba. Papa Wemba. Papa Wemba, Azala. Vraiment. Et puis aussi, c'est sous le haut patronage, il y a ministère de la culture et art. Et na Maman Abisso Inago, si Geneviève, ministre, il y a genre et famille et enfants. Et Bango, Mibale, Basanga, Mipote. Soirée, on est quoi, Kozala Makase, Zala Kitoko. Et vraiment, Basalingaï, honneur, Mounene. Et na pesi bango en tout cas merci beaucoup merci na ndenge vraiment ba porter di kambo na di kolo et pour ne pas vraiment en tout cas na yo ka sonité et surtout ezalo ku mboka na biso côté qui tire yo ka sonité vraiment en tout cas na pesi bango merci ya mingi na national tout pour aller 31 le 31 na za kozela binonyo so boya ebele bandeko boya ebele bana mikolo et disons batonyo souboya ebele bao bazali awa bao bazana Brazzaville bokati saboya bao bazana la province même à l'étranger bao kutu ba retarder ba voyage na bao ba vite okendete toza kozela soki ka le 31 le kitozu avion tozongi ba vacances na biso esili en tout cas na pesi bino merci na pesi mbote Dalida mama na Daju na zo pesa ye mbote na pesi mbote na Jo Kibwe na Lubumbashi Ose boutique nazo pesa yo mbote ya mingi. Merci. Groupe na ngamo bimba na pesi bango merci po na musa to sa. Merci. Nani Shaber Kabengele, Eme do abe fike, Ilunga Ilu Congo na pesi bino mbote ya mingi. E biso nyos bino nyos bozali invité, ba artiste nyos ya mboka na biso bozali invité, Ozana ta yaka. Merci.